Bonjour à tous, vous me voyez? Je suis dans la Jeep là en train de descendre la côte. Je suis en vacances aux Canaries. Cueille-moi l'avocat. Donc bienvenue dans cette résidence qui sera la nôtre pour la semaine. Bizarrement, la propriétaire dans l'annonce Airbnb a mis environ 30 à 50 photos de cette terrasse. En revanche, elle n'avait pas précisé que nous aurions des colocataires à plein temps. J'ai d'ailleurs noué une relation très intime avec l'une d'entre elles. Natacha, c'est ton moment, dis bonjour à la caméra. Quel timide, on ne changera pas. Natacha, je t'ai dit bonjour à la caméra. J'aime les panoramas. Mes visites de musées ont été remplacées par la découverte de hauts lieux d'intérêt touristique. Ce que j'adore à l'étranger, c'est de découvrir des pâtisseries locales. Qui sont forts ces Espagnols. C'est toujours très très bien dosé au niveau de la friture. C'est un goût de reviens-y ça. Hein. Donc là je suis au restaurant, j'ai envie de clichés. Donnez-moi du cliché. Tapas, tortilla, queso, pimiento, calamares, pimiento, pescado, arroz, pincho polo, churros. Ce séjour est en train de me mettre sur la paille. Spar, 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 restaurant, restaurant, spar, activité, spar, spar, restaurant, spar, spar. Ce merveilleux spot entraîne une surconsommation d'alcool chez moi. Apéro le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi à 15h. Oui, c'est de plus en plus tôt. Mes randonnées sont un peu moins sportives qu'avant. Sauf quand je fais 1000 mètres de dénivelé positif avec 15 kg sur le dos. Rien de tout ça n'aurait été possible si je n'avais pas été taillé en V. C'est là que je mesure tout le chemin parcouru depuis toutes ces années. Je suis en quelque sorte l'homme de Cro-Magnon espagnol. El Cro-Magnon espagnol. Allez, venez dans ma caverne. Tiens, je vais cueillir un fruit espagnol dont j'ai oublié le nom. Cueille-moi le fruit espagnol dont j'ai oublié le nom. Oh, ça paraît complète. Alors oui, pour info, nous avons changé de maison. Donc là encore, la vue est incroyable. Par contre, à nouveau, le propriétaire n'a pas précisé sur l'annonce Airbnb que l'on ne pouvait pas jeter du papier toilette dans les WC. Normal, quoi. Bah oui, en même temps, vous voulez qu'elle loge tout ce papier toilette? La plage, c'est vraiment une occasion unique pour moi d'exhiber ma peau d'albinos et mes jambes très musclées. Bon, après, heureusement que je compense par ça. Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, a ritmo de la noche, son son fiesta. Un pasino para de María, un, dos, tres. Un pasino para mami María. Así es María, así es María. Hola, ¿qué tal? Tengo la camisa negra. Tengo la camisa negra, el amor está en el alma. Quelle beauté. Je profite d'un dernier instant de répit dans une position tout à fait naturelle. Parce que oui, c'est la fin de nos vacances. On a fait nos tests PCR. J'avais littéralement l'impression d'être un vulgaire chapon de Noël qu'on bourrait de farce. Elle est trop rouillée. Tout de même, pas trop mal. Mais bon, l'essentiel c'est que les tests soient négatifs. On va pouvoir retourner travailler. Allez, à bientôt en France. Hop là, le bras droit, bien bien musclé comme il faut.